Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto. Alors aujourd'hui, on vous emmène dans un studio parisien pour découvrir en avant-première la nouvelle Volkswagen, la toute nouvelle Volkswagen électrique, le premier SUV électrique de la marque, l'ID.4. Et on a rendez-vous avec Rodolphe Chevalier, qui est chef de projet électromobilité chez Volkswagen, pour nous présenter ce véhicle. L'ID.4 qui est là devant vous aujourd'hui, donc ça c'est un vrai plaisir de pouvoir le présenter. Il a été révélé il n'y a pas plus tard que 3 heures. Puisque c'était ce 23 septembre à 17h et il est dès maintenant en France. Donc on est ravis d'avoir ce véhicule. C'est la même base 100% électrique, donc la même plateforme 100% électrique que l'ID.3. On est sur une version avec une batterie de 77 kWh qui va permettre d'avoir une autonomie jusqu'à 500 km, une puissance de 150 kW. Donc dans l'ancien monde, on parle de 204 chevaux, mais restons sur les 150 kW. Et on est sur un véhicule vraiment familial, puisque en termes de gabarit, on est à 4,58 m, donc on est équivalent à SUV compact. Donc ça apporte un volume vraiment intéressant. C'est l'équivalent d'un Tiguan en fait. C'est l'équivalent d'un Tiguan en termes de taille, et c'est une voiture familiale qui va pouvoir tracter, qui va exister en 4 roues motrices, sur laquelle on pourra charger également le toit. Donc une voiture qui peut absolument remplacer la familiale. Et donc là, on est sur une autonomie de combien de kilomètres? Donc jusqu'à 500 km, grâce à la batterie de 77 kWh. Donc là, on peut l'envisager comme un véhicule vraiment principal. Tout à fait, oui. Avec le réseau de recharge qu'ils développent en parallèle, notamment grâce à Ionity, ça permet d'envisager de longues distances et d'en faire la voiture principale du foyer. Très bien. On va peut-être aller voir l'intérieur. Avec plaisir, oui. Et donc là, le véhicule sort en fin d'année, c'est ça, avec un seul moteur, mais est-ce qu'on aura des évolutions dans la gamme à venir? Oui, tout à fait. Donc cette année, on a une édition de lancement, donc les First Edition, basée sur la batterie de 77 kWh de 150 kW. En puissance, et dès l'année prochaine on aura une batterie d'une taille inférieure de 52 kW pour avoir un véhicule plus accessible, et on aura au-dessus une version 4 roues motrices également qui aura la même taille de batterie mais avec un peu plus de puissance. D'accord. Et là on sera sur quel prix à peu près en entrée de gamme déjà? On sera sur des First Edition qui démarrent à 47 950 euros. Et l'année prochaine, on aura sur des prix qui seront bien inférieurs. Donc, ils ont droit au bonus. Et à découvrir un peu plus tard. Les gammes ont droit au bonus. Les versions, exactement. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'après de la famille ID? Qu'est-ce qu'on aura comme produit? Alors, à la suite de la famille ID, il y a un SUV coupé qui va être proposé. Donc, qui sera sur la base de ce véhicule, mais sur un profil coupé. Et par la suite, on attend tous, je pense avec impatience, notamment l'ID Buzz qui arrivera. Voilà. Et un autre véhicule, 7 places, qui arrivera aussi dans la famille. Très bien, parfait. Et bien merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Voilà pour cette première vidéo sur la Volkswagen ID.4, donc le premier SUV 100% électrique de la marque allemande. Nous, on vous donne rendez-vous en fin d'année sur capital.fr pour les premiers essais. Ciao.